Bonjour à tous et bienvenue sur ce tuto vendeur pour la marketplace Joostore. Nous allons voir deux petits tutos qui vous seront utiles si vous créez votre compte vendeur. Alors le premier c'est concernant le routage. Vous allez voir quand vous allez mettre vos coordonnées bancaires pour l'IBAN pour recevoir l'argent des ventes. Ils vont vous demander un numéro de routage. Il faudra mettre aucun. Le numéro de routage, c'est un numéro qui sert uniquement pour les banques américaines. Donc si vous n'avez pas une banque américaine, mais dans notre pays, française, israélienne ou autre, il faudra écrire aucun, tout simplement, à la place du numéro de routage. Si vous avez une banque américaine, dans ce cas-là, il faudra mettre le numéro de routage. Ensuite, la deuxième petite astuce, c'est par rapport à la livraison. Il ne faudra pas toucher à l'ancien système d'expédition. Quand vous allez faire votre paramétrage dans les paramètres d'expédition, vous voyez juste à côté de la croix rouge, il y a une phrase qui dit si vous souhaitez utiliser l'ancien système d'expédition, alors cliquez ici. Le problème, si vous utilisez l'ancien système d'expédition et que vous paramétrez aussi le nouveau, celui-ci, ça fera des systèmes d'expédition en double, même en triple, si par exemple vous gérez aussi l'expédition directement sur vos fiches produits, parce que sur les fiches produits, il y a aussi un petit carré pour gérer l'expédition. Par exemple, il y a une vendeuse qui a paramétré ses expéditions de partout. Du coup, sur sa page produit, il y avait deux ou trois systèmes de livraison différents, avec des prix différents, etc. Donc, bien entendu, les gens vont mettre le truc le moins cher. Si ça ne correspond pas vraiment à ce que vous voulez, bah, ça va pas. Donc voilà, il faut vraiment éviter. On remplit un seul formulaire par rapport aux paramètres d'expédition. Et c'est celui-ci que vous avez par défaut quand vous allez dans le paramétrage expédition. Donc, on ne clique pas sur ce petit bouton. Voilà, merci à tous, j'espère que ce tuto vous sera utile.